Salut les amis, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, toujours pas de méca. Je vais vous présenter une voiture, à mon avis celle-là va vous plaire. Je vais spoiler un petit peu, ça fait plus de 400 chevaux. Donc je vais vous faire voir ça dès qu'il arrive, là je suis en attente, je suis très impatient. C'est l'une des voitures que je rêve d'avoir, donc j'attends, il devrait arriver d'ici peu. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est bon, ils sont arrivés. Je suis vraiment très content, je suis comme un enfant. Voici la voiture. RS4 B5 de 2001. 380 chevaux d'origine. Une gestion à 425. Voilà, c'est vraiment la voiture de mes rêves. C'est une voiture que j'achèterai tôt ou tard de toute manière. Elle est rabaissée ou elle est d'origine? Toute d'origine. Sauf la gestion, elle est la reprogrammée. La voiture a subi une reprogrammation, c'est ça? Oui. Ouais. D'origine, ça fait 380. Là, elle a été reprogrammée à combien là? 425. 425. Avec 600 Nm de. 600 Nm, ça doit bien arracher quand même. Ça va être les trains de poneys, tous les combien? Non, ça va. Moi j'ai fait 5000 km avec la voiture. Donc. Okay. Vous l'avez depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans maintenant? Ok. Monsieur, distribution a été faite, c'est ça? Distribution, elle a bientôt un an. Ouais. Embrayage, il est tout neuf. En volant moteur aussi. Il avait fait la distribution? Non, garage. Garage. Tout fait garage. Embrayage aussi, il a combien? Il a 50 km, il est tout neuf. Ouais, ça va. Volant moteur avec? Ouais. Ouais. Donc un 2,7 litres, V6 biturbo. Et tu peux. Un 5 soupapes par cylindre, c'est ça? Ouais. Ah, je sais pas ce que j'ai avec les RS4 B5, mais c'est. Ouais, depuis toujours. T'es pas le seul. Depuis toujours. C'est facile, je l'aurais pas. Depuis toujours, ça a été ça. La RS4 B7, elle m'attire pas trop. Allez, c'est une belle voiture. On me la donne, je la prends. Mais... Oui, c'est une belle voiture. Mais non, c'est. Après, c'est pas c'est le moteur. Le moteur, c'est différent. Je crois que ça fait tout. Je crois que ça fait le tout. Le moteur, c'est un V8 Atmo qui prend beaucoup de tours. Mais qui puis le RS4 B7, il a. Il annonce 420 chevaux et tous les passages au banc, 380. Ouais, c'est ça. Là, c'est le contraire. Ah ouais, ça, 380, ça sort un peu plus. Ouais. Il y a beaucoup plus de coupes. Ça. Ouais. Non, on va faire voir l'intérieur. On peut regarder l'intérieur. Ouais. Donc la voiture, l'intérieur est toute d'origine. L'intérieur est nickel. Non, vraiment une belle voiture. Il y a des maladies sur ces voitures-là, des problèmes particuliers, non? Ouais. Tu filmes là encore? Non, il n'y a rien de particulier. C'est l'écran central. Ah ouais, comme central. Les S3, ouais, c'est pareil, ouais, c'est exactement la même chose. Ils ont tous les mêmes problèmes, donc les cristaux qui disparaissent. Ah, c'est ça. Moi, sur mon S3, ce qui se passait, c'est quand le moteur était chaud, ça revenait, les cristaux. Mais à froid l'hiver, ça disparaissait. Ouais, c'est pareil. C'est pareil? C'est la même chose. Donc, ouais, c'est vraiment la maladie, à part ça, c'est très très fiable. Alors, avant de trouver un compteur comme ça d'occasion. Ça se répare. Ça se répare, ouais. Ouais, ça se répare. J'ai vu ça, ouais, mais c'est faut trouver le réparateur. Ça coûte 200 euros. Ouais. Les réparateurs, c'est rapide à trouver. Ouais, sur internet. Okay. J'ai vu ça dans l'émission Wheeler's Dealer.
il avait acheté une TT avec l'écran et puis le mec il avait des gants anti-statiques parce que sinon ça faisait tout déconner. Après les choses, c'est les gens ça se voile des fois. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de réparateurs de jantes, hein, du concours. Ouais. Et ça, c'est globalement très fiable. Ouais. En plus, on trouve les pieds sur Internet. Ouais. C'est un ciel ouvert. Siglé, escale partout. On sait dans quoi on est. On peut ouvrir le coffre, ouais. Il y a pas de... Ça ne dérange pas. Petit à petit, il va chauffer. Sinon, tout marche. Et si c'est chauffant, il marche. Ouais. Tout marche. Ah, c'est chauffant ici. Ouais. C'est bien à faire une fois je pense, mais une matinée de circuit, je pense que la voiture elle est... Ouais. On est quoi, on est 5, c'est pour ça. C'est Clément ça, non? Ah oui, c'est vrai que... Ouais. C'est pas moi, je suis pas loin. C'est pas possible. Il y a Clément au milieu, ça touche. C'est pas très raide, hein. Enfin, moi j'aurais pensé ça, que c'est... Enfin, j'aurais pensé que c'était hyper raide comme toutes les Allemandes, quoi. Moi, j'ai mon père, un bon compromis, quoi. J'ai mon père qui a une Audi A4 en 3 litres TDI, donc rien à voir. Hein. Ben, en châssis sport, les en châssis sport, c'est hyper raide. Moi, on trouve que c'est hyper raide. Ah, c'est pas sous le pont-vue, mais. Franchement, c'est pas mal. Un brick de chasse. Le truc, c'était un brick pour faire les courses. Les deux courses. C'est ça. Oh, le caillou au milieu de la route comme ça. En roulant cool, c'est une voiture comme une autre. Ouais, c'est clair. Très simple, très souple, facile à conduire. Ouverte la plage. Ouais, tout le temps la plage. Ouais, tu crois que c'est ça?
moi je trouve que ouais, ça... bah, on n'a pas l'habitude aussi. On a tellement l'habitude, nous, on se rend pas plus compte. Et surtout, en fait, là je peux pas, mais c'est surtout entre 5500 et 7500 aussi. Ouais. Là, les témoignages. Vraiment une belle voiture, ouais, j'aime bien. Ouais, puis c'est, enfin, c'est hyper agréable à conduire, même sans rouler vite. C'est facile à conduire, en plus, très très facile à conduire. C'est un quattro. C'est ça.
les amis, je suis à bord de mon bolide, un gros diesel qui fume. Je suis hyper content, le gars est super sympa. On a passé un bon moment, un grand passionné. D'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, mettez des likes, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Bientôt, une nouvelle présentation, et là je crois que ça va dépasser les 450 chevaux, je pense. J'essaye de négocier avec les propriétaires, c'est pas évident, parce qu'ils me connaissent pas vraiment forcément, donc j'essaye de négocier. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.